Et salut les Carbonoobs, salut les Carbofans, et bienvenue dans la série Objectif Moho. C'est une série où l'on tente d'envoyer deux carbales sur Moho, éventuellement les faire atterrir et les faire rentrer sains et saufs, évidemment, sur Kerbin. Voilà. Alors, on en est où de tout ça? Eh ben, on a déjà lancé trois satellites en orbite autour de Moho pour faire de la communication, les relais. On a posé une citerne sur Moho himself. On va voir ça afficher. Oui, peut-être. Non. Voilà. La citerne, elle est là. Pas besoin de ça pour l'instant. Hop. Voilà. La citerne. On a posé le ravitailleur, enfin le système de ravitaillement plutôt. Pour pouvoir recharger nos réservoirs. Sauf erreur, ils sont pleins. Voilà. Très bien. Donc on est prêt à remettre ça en orbite. On va attendre l'arrivée des carbonautes. Et puis, c'est pas tout. On a lancé la dernière fois le laboratoire qui devra arriver sur Moho dans 150 jours, 154. Le truc, c'est qu'à 149 jours, il faut lancer notre croiseur avec les carbas à bord. C'est ce qu'on va faire. On va déjà faire avancer le temps. C'est parti. Tour de Kerbol. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, notre labo est en train de rejoindre Moho. Le temps avance. Alors, on a une alarme, hein, pas de panique. Il va nous arrêter au bon moment. C'est-à-dire quand le labo sera à peu près par là. Voilà. Alors, juste avant, j'en profite tant que je suis là. On va dire que ça, c'est une station. C'est pas un module habité. Donc là, on rejoint le haut. Ça ralentit. Et ça va être le moment de lancer nos carbonautes. Grand moment. Oui, non, peut-être. Voilà. Alors, surtout pas de vite. On sort de là. On va dans le BAV. Paris qui va se remettre au milieu. Ben voilà. Alors, on ouvre notre croiseur B. Voilà, donc je vous l'avais présenté la dernière fois, je le refais vite fait. Il y a deux cabines biplace, une par carbonaute, qui a un petit peu d'espace pendant le voyage. J'ai rajouté une goue. Bon, si on veut faire un peu de science, ça peut être amusant, même si on est en mode bac à sable. Et j'ai remis deux petits bidons d'essence supplémentaires pour compenser le poids de la goue au cas où. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais on n'est jamais trop prudent, on envoie quand même des carbales. Alors, Bill l'ingénieur dans la cabine, Bob le scientifique dans l'autre cabine, et c'est parti. Lancer. Alors, on doit lancer à 2h49, 24 secondes, et c'est 2h45 quelque chose. C'est encore une fois la nuit, c'est remis au milieu. Voilà, donc premier étage, 100 km, inclinaison 6,84. Je vais mettre 6,85 pour avoir un tout petit poil plus. Voilà, et le lancement est dans encore quelques minutes. Je vais accélérer le temps. 6, 7, 8, stop, top, 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 top. Voilà, laisse l'engin se stabiliser. Et le lancement donc aura lieu à 49 et 19 secondes puisqu'il y a 5 secondes de séquence automatique. Donc là maintenant dans moins de 20 secondes. Voilà, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1,
lancement, séquence automatique. Et à 24, ça décolle. Allumage, décollage. C'est parti les gars, vous allez sur Moho. Alors moi personnellement, ce serait hors de question de me mettre dans un engin pareil. C'est des coups à part venir vivant. De toute façon, si on est vivant, on a fait on a pris tellement de jets, tellement été malade, tellement été irradié, il est sûrement beaucoup plus court. Mais bon, c'est des kerbales. On est pour ça apparemment. Donc c'est parti. Alors, 3500 mètres, donc l'inclinaison est en train de se faire, pas de problème. On se remonte, tout va bien. On est à 5000 mètres, normalement aux environs de 10000 mètres, on peut passer les 45. Peut-être un poil plus tôt, un poil plus tard, ça dépend. Un petit peu d'aléatoire sur le lancement. Là c'est parti pour être un poil plus tard. 9, 5, 6, 7. Ouais, on est à 43-44 degrés. C'est très bien. Donc là nous avons 5 vecteurs et 2 skippers pour faire le poids. On a déjà 2G4, 2G5. Fort. L'important c'est qu'on arrive à 340 ISP quand on va larguer le premier étage. On va voir ça. 25 mètres, 339, donc on est quasiment. C'est bien dosé. La page est à 67. 340, c'est parfait. Voilà, premier étage, c'est fini. Ça pousse quand même un petit peu moins fort, encore que à peine moins. Et nous voilà à 100 km d'AP. Donc on va laisser tranquillement faire la montée balistique. Voilà, on a encore une petite déviation là. Négligeable, je pense. La séparation de l'aquaphore a lieu comme d'habitude à 70 km. Donc là, il faut patienter un peu. Voir le module sur la voie lactée, en supposant que ce soit la même galaxie. 63, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, allez, 9, éjection de la coiffe. Boum. Très beau, belle corolle. Et on a 500, oops, je n'arrive pas bien à lire, 588 mètres par seconde, il nous en reste 697, donc on a un petit rap d'une centaine. C'est bien, ça c'est parce que l'aléatoire a fait qu'on était légèrement sous les 45 degrés, donc c'était un peu plus performant. C'est de bon augure. Allez, on finit la montée. Et on va faire la poussée de satellisation. Dans 15 secondes. Je cherche une vue qui soit pas trop sombre. Pour l'instant, c'est pas top. 3, 2, 1, allumage. C'est parti. On remet 500 mètres de delta V, presque 600. Alors ce moteur là, il a un jet impressionnant, je trouve, un sacré dard. Et en même temps, il est très silencieux. Voilà, on est en orbite. On se remet sur le prograde et on va éjecter le deuxième étage dont on n'a plus besoin. Boum. Ah, on va mettre là-haut. Très bien.
Donc lui, il va retomber. Pas d'inquiétude à avoir. Déjà testé, c'est bon. Alors maintenant, où est notre orbite Kerbal et voilà, dessous. Donc il faut qu'on pousse de manière à ralentir. On va ajouter une manœuvre ici, grosso modo. Et on veut 1551.1. Voilà. Les voilà. Et il faut être à 147.4. C'est pas ça que je veux. Voilà. Là, je suis à 176,9. Donc, je diminue un peu. 147,6. Et je vais remettre ça. Oh là. Beaucoup trop. À peu près comme ça. Voilà. À partir de là, j'ai un peu plus de 7 minutes pour affiner. Donc on va affiner. Déjà, on va définir mon haut comme objectif. Pam. Voilà. Ici, on est à 99 000. Ok. Le but, c'est de ramener à 9 000. On va déjà, ça fait le bon sens, affiner la position du point de lancement. Oh, super. Du premier coup presque. Centrer la vue. Et là, on va viser plein centre. Donc, pour faire ça, c'est là que c'est un peu galère. On se ramène beaucoup plus près. Voilà. Et ensuite, on va couper un peu. Faut en mettre ou faut pas en mettre. C'est trop. Tout comme ça. Ouais. Passer dessous et corriger. C'est pas dans le bon sens. Corriger en radial. Voilà. Oula. Chose comme ça. Voilà. Donc là, c'est dans 5 minutes. Très bien. On va aider à la manœuvre en se mettant directement sur le nœud. Et là, on voit que c'est 4,04 mètres secondes supplémentaires par rapport à ce qui avait été estimé. Donc, il y aurait moyen d'affiner un poil mieux sur le nœud, la position du nœud. Bon. On va se contenter de ça. On va pas les chipoter les demi mètres secondes. Donc on va éclairer, sortir les panneaux solaires et l'antenne, ça c'est important. Voilà. Ah, j'ai pas dit à cela, ils sont 0. Là c'est du plus 2. Et là c'est plus 2 aussi. Autre. Plus 2 également. Très bien. C'est vrai ce que je dis? Oui, plus 2. Comme cela. D'accord. Allez, ça marche. Donc maintenant, pousser dans 4 minutes. On va faire un petit run Node.exec. Voilà, histoire de faire la poussée automatique. Combien de temps? 1 minute 30, la combustion, ouais, quand même. Pourtant, il y a 4 Jean-Yves qui poussent, mais leur PP138, c'est pas énorme. Le souci, c'est que si on met plus de moteur, eh ben, c'est plus lourd, faut plus de carburant, etc. Donc,
On tente de ça. 7, 6, 5, 4, 1. Allumage. C'est parti. Voilà. Alors, donc ça va nous emmener probablement, du fait de la durée de la combustion, à faire une deuxième poussée de, peut-être même une troisième, de correction pour s'assurer qu'on percute Moho. Alors je rappelle le principe, hein, percuter Moho, pourquoi? Bah parce qu'il va falloir éjecter ce bloc et ce bloc. Ils vont venir percuter Moho. Pas de déchets dans l'espace. Et de manière à s'alléger du poids de deux moteurs qui font 1 tonne chacun de mémoire. Et puis de toute cette carcasse vide. Parce que tout le carburant aura été consommé justement pour faire ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire l'injection vers Moho. Donc on gagne comme ça du delta V puisqu'il y a moins de masse à freiner autour de Moho. Ça c'est quand même bien trouvé. Alors c'est ni plus ni moins que la recopie de ce que faisait Apollo, hein, mais sur la Lune. Donc là hop, on vient de quitter le. Enfin, on vient d'atteindre la vitesse de libération. On va sortir du SOI de Garmin. Maintenant il faut continuer à freiner suffisamment pour avoir une orbite descendante vers Moho. Ça donne ça, vu depuis l'espace. Le PE à atteindre, le PE qu'on a actuellement, on voit bien qu'on ralentit, puisque on tombe vers le Soleil. Quasiment terminé là. Hop. Très bien. On va rester programmé pour l'instant. Alors on voit qu'on est sorti du SOI de Moho, hein, c'est normal, il est tout petit le SOI de Moho. Et on est à 15 000. Alors qu'il nous faut 9 000. Donc on va remettre un nœud. Alors c'est NDS. Oui, NDS et 6 fois 5, 30, 300 secondes. Donc on va remettre un nœud à 5 minutes devant nous. Pof. Et on va utiliser ce nœud pour nous remettre en orbite de collision, enfin en trajectoire de collision. Donc allons-y. Pour ça, je pense qu'il faut tire un peu. Ouais, on a poussé un tout petit peu trop fort. Donc on va diminuer 11 000 jusqu'à arriver à 9 000 et re-rentrer dans le SOI. Voilà. Impeccable. Alors, on tire un peu. Et après, il va falloir voir combien on met de normal. Et là j'en mets, oups, je sors, donc c'est dans l'autre sens, voilà, et je mets du radial, ça augmente, donc voilà, ça augmente. Ça diminue. Et on recommence ça jusqu'à ce que ça percute. Ouais, je suis bon. Si ça dure, je vais faire une 9, 7. Bon, je vais faire une pause le temps de trouver la bonne position. Donc, je vais vous remettre l'interview de Pégase. Utile. Le voilà et je fais une pause et je vous reprends tout à l'heure. Et à tout de suite. Voilà. Bon, alors j'ai trouvé, seulement j'ai plus que quelques secondes pour faire la manœuvre. Donc je le fais rapidement. Node exec. Oh là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il m'a mis des RCS lui? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, je pense que là, on va sûrement rater le point. On va mettre 5. Et lancer.
Ouais, ça va être trop tard. Bon, c'est pas dramatique parce qu'on n'est pas une seconde près non plus. Normalement, ça devrait nous ramener comme il faut. Dépouillez-moi près. Voilà le PE qui s'affiche là. Dépasser. Très bien, donc on va se mettre en normal. Ouf. On va surtout couper les moteurs principaux. Cela. Mettre cela à quelques pourcents de ça ira. On va essayer de corriger à la main. Si ça veut bien, ça a l'air de bien vouloir. Donc super. Voilà. Et là, on rentre pile bien. Voilà, on est un petit peu haut, mais ça c'est pas très grave, hein, parce que de toute façon, quand on orbiter autour de Moro, il faudra se remettre à l'horizontale. Ça, j'en ai plus besoin. Je peux l'éteindre. Et je vais donc rester sur cette zone-là. Et on va laisser nos petits carbonautes faire le voyage. Alors, on va quand même mettre une alerte. Qu'est-ce qu'on aura comme inclinaison là? Elle est quand même pas mal inclinée. On doit avoir un bon 20 degrés là, sur. C'est 17, mais c'est sur l'orbite actuelle. Bon, on verra. Alors, on va les faire sortir du SOI de Kerbin. Pour s'assurer de leur mettre un point d'accroche. Donc, on va faire. C'est jusque-là. S'éloigner. Et quand on va passer sur cette trajectoire-là, on va vérifier que le calcul reste bon. Sinon, on fera encore une petite correction. Allez, 2 minutes. Non, j'attends pas 2 minutes. Donc là déjà, on va mettre une alarme. Changement de SOI. Voilà, dans 140 jours et 4 heures. Et on va s'occuper du labo. Alors juste avant, j'aurais vérifié quand même que on est toujours bien dans. Ça vous a pas trahi. Alarm clock. Vous pouvez vous en aller, merci. On est toujours bien en percussion. Oui, on est toujours bien en percussion. Ça c'est bien, c'est qu'on freeze juste, donc on va éjecter nos deux modules qui vont aller se cracher quelque part dans le gros cratère là, et nous on remontera tranquillement le PE. D'ailleurs c'est la manœuvre qu'on va faire avec le labo, donc un stream ou une vidéo valant mieux qu'un long discours, on va s'en occuper de suite. Alors il est où notre labo? Sonde, voilà. C'est ici. Donc on va faire changer, et puis une petite sauvegarde tant qu'on y est, parce qu'on a fait pas mal de choses. Ah, un petit F5. J'ai dit un petit F5. Sauvegarde. Ah, mais il veut pas. Voilà, sauvegarde. Très bien. Donc là, pour l'instant, on reste face au feu du soleil. Pour ceux qui connaissent Azimov, je vous laisse apprécier la ref et pas regarder ce qui se passe quand on va approcher ici. On va warper tout SOI. Tout simplement. Voilà. Et on va rentrer dans le SOI.
Delete on close. On est sur Move. Donc on va se mettre en prograde. Histoire de voir où est Move. Voilà Move. Très bien. Et on va éjecter ce qui normalement est vide. Ouais. Très bien. Donc, on vise un peu haut et ici on dit découpler. Tac. Voilà le premier. On bascule pour le deuxième. Et à chaque fois on gagne du delta V, évidemment. Puisqu'on largue de la masse. Bim, dans le sens. Bam, et le dernier. Voilà. C'était péniblement en 1900, on est déjà à 2004. Et il nous en reste un dernier à jeter. Bim. 2792, quasiment 2800. Parfait. Alors maintenant, on va se mettre au litre de déchets. Pop, pop, pop. On va se mettre en antiradial et on va sortir de la trajectoire de collision pour faire apparaître un PE à 10 km. Avant de pousser comme un sourd. Ah oui, il est déjà arrêté ce moteur, c'est très bien. Et cela, on va les limiter à 10%. Le petit auxiliaire. PE. Allez, allez, petit PE, montre-toi. Donc c'est là qu'on voit que plus on effleure juste la surface de mou, moins on consomme de delta V quand on redonne du PE. Ah, on est à combien là? 6000, 7000, 8000, 9000. Un petit peu encore. 7, 8, 9. Allez. Très bien. 9999. Parfait. Ok, donc maintenant on peut tranquillement afficher notre point de manœuvre pour la satellisation. Allez, ça fait du delta V, hein, parce qu'on arrive très très vite sur moi. Voilà, quel AP on a. On va se monter à 8750, faut aller loin pour pouvoir faire la correction d'inclinaison en consommant le moins de delta V possible. 4, voilà, 750, c'est impeccable. C'est juste pour le fun, ça n'atteindra pas ça, voilà, c'est très bien comme ça. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à freiner, 1827 mètres par seconde. Donc là, si on n'avait pas largué nos trois modules, on aurait pratiquement épuisé tout notre carburant, rien que pour se mettre dans cette situation là, alors que ce qu'on veut c'est être à 20 km en orbite équatoriale, oui. Donc ça aurait été un petit peu un échec. C'est prévu pour ne pas en être un. Alors maintenant on va faire on va redonner toute la puissance, mais avant de redonner la puissance on va aussi rallumer ce moteur parce que là il faut freiner balèze. Tiens, c'est marrant, en rallumant le moteur on gagne du delta V, c'est curieux ça. Bon,
c'est pas grave. Et là, on va faire run node exec. Étonnant ça, je sais pas du tout pourquoi. Ah, peut-être parce que les ISP sont meilleurs. Ça doit être ça. Ok, donc node exec, on va regarder. Oh, grossir, 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 rien. Tangenter, waouh. Voilà. Là, ce sont nos petits déchets qui vont percuter. Le soleil qui est très brillant à cet endroit-là, bien sûr, puisqu'on est très près. Dans 15 secondes, la poussée. Essayez de voir ça. Un petit coucher de soleil là, sympa. C'est encore une fois une poussée de nuit. On va voir ces machins-là disparaître et on va allumer le moteur. Parce qu'il va se faire dans quel ordre. Alors, on allume le moteur avant de faire disparaître ces machins-là. Et voilà, pom 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 pom. Explosé sur Merlin. Sur Mo, pardon. Oula. Confondons pas. Très bien. Allez, c'est parti pour la poussée. Donc maintenant, le suspense, c'est de ne pas percuter une montagne. On devrait pas. Mais bon, on sait quand même qu'il y a 10 km d'altitude. Donc, on sait qu'en freinant comme ça, on perd un petit peu de PE, d'altitude de PE. Donc, on va descendre un peu en dessous, je pense, des 10 000 là. L'important, c'est la hauteur du sol. Quelle altitude on va la raser? Alors évidemment, si on fait ça, c'est d'abord pour pas trop consommer de delta V quand on sort le PE, mais aussi parce que plus on fait la manœuvre près de Moho et plus il nous aide avec sa grosse masse qui est pas si grosse que ça dans le cas de Moho. À 6 000 mètres, on est en train de remonter là, paf, la P 9 800, très bien. Donc à 9 800, on percute pas. Allez, c'est parti, là ça revient. Là, ça reprend de l'altitude. Il reste encore 250 delta V. Bon freinage. J'ai le freinage, voilà, j'ai pas eu le temps de prendre 2 et quelques. Voilà. On est en orbite. Normalement. Oui, on est en orbite. 8 800. C'est très bien. Bon, alors maintenant, il s'agit de faire une sauvegarde, déjà. Quand c'est un succès, on sauve. Il s'agit de trouver les nœuds. Alors pour ça, on a de la chance. On a nos relais qui sont déjà à l'équateur. On va les définir comme cible, arbitrairement. Et on voit qu'il y a 16 degrés d'angle. 16 degrés d'angle à rattraper. Alors, on est malin, hein, on prend le nœud le plus éloigné, là, pour le coup. La manœuvre soit la plus économique possible. Et donc, on va se mettre à peu près sur le nœud, repérer. Paf. Et on ajoute la manœuvre. Alors, on devrait avoir 16 degrés. Voilà. Diminue. Très bien. Je mets la manœuvre. Jusqu'à ce qu'on arrive quasiment à zéro. Là, on l'a dépassé. On a vu, hein, le NA a rejoint là où c'était le NE. Idéalement, il faudrait les mettre à 90 degrés. Est-ce qu'on peut faire ce petit miracle? Quasiment. Voilà. Là, on va dire que ça va être difficile de faire mieux. Ça nous coûte 12 mètres par seconde. Si on faisait la même manœuvre là où était le nœud ascendant tout à l'heure, je vous garantis que ce serait en centaines de mètres par seconde que ça se passerait. Et ce serait un gâchis de carburant inacceptable. Alors, ça nous a envoyé notre PE à 32 000. Bon, bah, si on en profite pour faire un petit peu de rétrograde et de recaler les nœuds, on fera d'une pierre deux coups, histoire de se remettre à 20 000 mètres, 4, 2, 1, un plus. Comme ça. Ouais, pas trop. Allez, on va dire ça, c'est bien. Et maintenant, on a repris des inclinaisons, évidemment. Là, ça diminue.
Trop vite. Moins. Ça se déplace. On va bien délicatement. On voit que le périastre lui réaugmente aussi un peu. Voilà, c'est pas trop mal. Je pense que là c'est le plus mieux. Voilà. Donc là il nous manque 900 mètres, on les corrigera sur place quand on aura circularisé l'orbite. Donc voilà le nœud qu'on va devoir, la manœuvre qu'on va devoir faire. Ça a consommé presque rien. On se met le nez dessus et puis on va demander à avancer jusque là. Zou. Voilà. Où est bon. Voilà. Oh. Donc là on a passé la paix, on se redirige vers le nœud de manœuvre. On est encore à 1 heure et quelques. Ce qu'il y a, c'est que la durée de combustion est telle que on va rééteindre ce moteur. Et une seconde, donc on va faire un mode exec à 10%, ce qui devrait nous donner à peu près 10 secondes de poussée. Allez, c'est parti. Ouais, 10 secondes de poussée, impeccable. Corrigera pour le coup à basse altitude parce que c'est un tout petit angle, ça consommera pas beaucoup de delta V, même si idéalement il aurait fallu le faire à zéro. Alors tant qu'on y est, on redescend le PE, pas la P pardon, pour se mettre à 20 km. Ça là par contre ça mange hein. 300, bon, il en reste un paquet, et si on n'avait pas éjecté nos masses, ben on était short pétrole. Là ça va, donc et ben on va juste lui demander d'avancer ici. 27 secondes, voilà. On va pousser avec le gros moteur. Je pense, si on le rallume, et à 10 secondes, donc ça sera mieux de le faire à 10 secondes. On va se mettre en position rétrograde. Rétrograde orbite, hein. Attention, faut pas se tromper là. Là ça rigole pas là. Hein? Et puis bah, on va lancer le ZEC à fond ce coup-ci. Ok. C'est parti. Altitude qui descend jusqu'à à peu près 20 000 mètres. On est passé à 10 000, donc à 20 000.
1 000, on va passer aussi, pas s'inquiéter. 40, 30 secondes. Et 15. Parfait. Bel engin. 5, 4, 3, 2, 1. Allumage. Blaou. Là, c'est mitigé, mais c'est par rapport à nous. Enfin, ça pousse quand même à 3G. Hein. Parfaire l'orbite, ce qu'on peut faire tranquillement avec des manœuvres toutes simples. Et si on va remonter, cette poussée là 1 mètre par seconde, donc autant dire que le moteur principal on s'en sert plus, terminé. Et puis 1 mètre par seconde, ça va demander de réduire ça. On va dire 2%. Ah. Cette poussée là on la fera à la main. À la main à l'ancienne. Donc là on est encore dans la nuit. On va accélérer le temps. 6, 5, 4, 3. Stop, top, 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 top. C'est toujours la nuit. Voilà, on laisse stabiliser l'ensemble. Et on fait la poussée 10. Là normalement on doit être à 190. Je peux tenter de faire un tout petit peu mieux, mais c'est pas sûr. Évidemment, c'est le moment où je vais l'arrêter que je rate le bouton. C'est pas grave. Donc là on est à 20 mètres, on a un nœud ascendant aussi. C'est pareil, ça coûte tellement rien. Je sais même pas si je vais pouvoir le faire sans me planter. On va essayer. F5 pour éviter de tout gâcher.
5, 4, 3, 1. Et là, ce coup-ci, on est au 0. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 200 mètres de PE à mettre, et puis ben, on sera là où on veut. Ça, ce sera la manœuvre, et là c'est pareil. C'est du tellement rien. La petite poussée finale, j'espère. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allumage. Voilà. Alors, nous avons 20003 et 19999. C'est exactement ce que je voulais faire. Pas besoin de plus. C'est parfait. Alors, bah maintenant, on va se remettre en normal. Donc, le labo est prêt à recevoir le croiseur qui donc est parti là. En route depuis quelques jours. Voilà. S'amarrer sur ce chapeautron là ou celui-ci en fonction de quelle position sera le. Sera l'engin quand il va arriver, et ensuite on fera arriver la citerne de l'autre côté, on fera les transferts de carburant. On voit qu'ici nous en reste un petit paquet quand même, hein. C'est intéressant, c'est toujours plus de sécurité pour nos petits carbonautes. Et on a également ce module ici qui est prêt à atterrir sur mon haut et à en redécoller. Il y a deux petits sièges à bord là, ici et là. On mettra nos petits carbonautes sur ces petits engins et puis on ira toucher le sol si ça fonctionne bien. Je pense que ça, enfin je pense pas, ça a fonctionné en simulation. Maintenant la simulation et la réalité, il y a toujours un monde. Alors pour le fun, on va quand même laisser les lumières allumées parce que de toute façon là il y a un générateur et puis bah, panneau solaire, il y a une batterie, puis la vitesse à laquelle ça tourne, il n'y a pas de souci. Ok, et eh ben c'est un succès total. Je vais remettre l'interlude Pégase si j'y arrive. Bon, déjà ça ici, je vais mettre en pause, ça peut calmer la musique. Et je remets l'interlude Objectif Moho pour faire apparaître comme d'habitude le petit logo et la playlist. Et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.